Bienvenue à tous, en ce mercredi après-midi, on va vivre ensemble la première édition, la toute première édition, ici, présentée devant un public, devant vous, de Génération Captain. Mes amis, j'ai un enfant de votre âge, alors je sais ce que c'est d'avoir des enfants de 12-13 ans, c'est merveilleux, c'est fantastique. Et être fier de soi, avoir ce sens de l'estime de soi, on se dit « Allez, je suis content de ce que je suis content de ce que je fais », ça c'est une chose très importante pour réussir dans la vie. École Sainte-Marie danse, où sont-ils? Ils sont là, voilà, vous pouvez vous applaudir. Et si je vous demandais, allez, au total, Captain, ça leur apporte quoi? D'abord une passion, ils découvrent leur passion. Et puis, ce que je trouve bien aussi, c'est que certains sont retournés à leurs racines. En fait, c'est une fille qui s'appelle Lola. Elle est accro aux jeux vidéo et elle va se rendre compte que quand elle joue tout le temps, il faut qu'elle arrête parce qu'elle va devenir malade, comme on dit. Love and Deridine, pour moi, c'est fini. N'y joue plus. Et en plus, j'ai réussi grâce à mes deux meilleures amies, Émilie et Yasmine. Il paraît que dans ton projet au départ, tu avais pensé à des hamsters. Raconte-moi un petit peu. Oui, en fait, je voulais prendre mes hamsters pour pouvoir, je voulais fabriquer une roue et alors faire courir mes hamsters et mettre une dynamo pour que l'ampoule s'allume, mais mes hamsters étaient trop petits. Ne jamais baisser les bras. Cette phrase résume bien ce qu'est la persévérance. Quand on se fixe un objectif important, il faut pouvoir tout donner pour parvenir à l'atteindre. Il faut garder son courage et trouver de nouvelles solutions pour avancer. Depuis le mois de novembre 2009, Captain est parti au Burkina Faso. On va vous montrer où c'est. Et je trouvais que c'était intéressant de vous montrer la réalité de l'école dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Allah,